Alors, avant de rentrer spécifiquement dans le sujet de l'autoconsommation, je voulais vous présenter deux slides sur une étude plus globale sur le photovoltaïque, puisqu'on voit bien dans toute la discussion qu'on a eue au cours de la journée qu'il y a un mélange finalement entre les enjeux du photovoltaïque, les enjeux de l'autoconsommation. Donc, à l'ADEME, on a publié en décembre dernier une étude qui voulait faire le bilan et déterminer un peu des stratégies possibles pour le futur de la filière photovoltaïque. Donc, je vais vous présenter quelques transparents. Alors le premier transparent qui est certainement déjà dépassé, mais c'était les coûts d'aujourd'hui du photovoltaïque et les coûts de 2025. Donc ce qu'on a dit, donc ce sont des données 2015, hein, donc elles sont encore une fois certainement déjà plus à jour. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir, on dit que ça baisse, on a parlé beaucoup de ça aujourd'hui. Finalement, déjà, il y a quelques chiffres ici en valeur absolue qui incluent donc la pose, hein, on n'est pas que sur le module. Et les coûts système et le raccordement. Et donc, premier grand point, il y a des baisses de coûts globales en perspective d'environ moins 35% sur les différents segments d'ici l'horizon 2025. Alors, ça, c'est d'autant plus intéressant, si vous voulez, ce transparent-là, qu'il y a un certain nombre de leviers qui n'ont pas été pris en compte là-dedans, dont on a discuté aujourd'hui. Notamment, les coûts de raccordement sont toujours là, ils figurent en vert, là, sur les notamment les deux premières lignes en résidentiel. Or, on a vu au cours de la journée qu'éventuellement, dans le cas où on autoconsomme 100%, on peut se passer de ces coûts de raccordement. Et puis, un autre levier pour l'autoconsommation, c'est aussi la liberté que ça donne par rapport à un tarif d'achat qui ciblait l'intégration au bâti. On voit bien que si on passe à des systèmes ISB ou surimposés, on peut viser finalement des investissements qui sont moindres et donc peut-être convaincre plus facilement. Alors, ces CAPEX, ces investissements en euros par watt, ils se traduisent en coût de revient au kilowattheure produit. Donc là, vous avez sur ce graphique l'évolution des coûts LCOE du kilowattheure.